Bonjour! Alors, bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi. Alors, hier, par rapport à ma vidéo, j'avais écrit les 12 coups de midi, coup d'arrêt pour Léo. On m'a demandé pourquoi j'avais mis ce titre. Je vais vous dire, franchement, c'est parce qu'il y a un site qui s'appelle toutelatélé.com, qui est un site assez sérieux, et souvent, ils mettent ce titre, coup d'arrêt pour Léo. Et ça, j'arrive jamais à comprendre pourquoi, à chaque fois, ils mettent ce titre. Donc, je me suis dit, tiens, moi aussi, je vais mettre ce titre, coup d'arrêt pour Léo. Bon, je sais pas, à chaque fois que je lis un article, coup d'arrêt pour Léo, ça veut rien dire. Donc, bah, moi aussi, bah, je fais des titres aussi qui veulent rien dire. Donc, allez, ça va commencer. Petit résumé des 12 coups de midi d'aujourd'hui. Jean-Luc Reichmann avait toujours deux mains, le maître de midi avait toujours deux pouces et plein de thunes. On a pu voir Timothy from the campagne, donc toujours aussi sympathique et célibataire. Donc, voilà. 83 participations. Donc, Léo va-t-il le battre? Donc, voilà. On va voir. Allez, au coup d'envoi, la première question difficile. Comment appelle-t-on les guerres médiévales mandatées par le pape pour délivrer Jérusalem? Ah, nanana, bon, passons. Et bon, bien sûr, c'était les croisades. Donc, bon, c'était assez simple. Comme d'habitude, après, vous aviez la très jolie Anaïs et surtout qu'il y avait un très joli rire qui était venu avec ses parents. Donc, bonjour, monsieur, dame. Alors, de quoi souffrent de plus en plus les cyberathlètes de l'e-sport? Eh bien, c'était de burn-out. Donc, ça ne veut pas dire que les coronesses sortent du caleçon, hein, c'est les nerfs. Donc, ensuite, vous aviez donc Luca, donc, qui était venu avec Mathieu, son meilleur ami. Bonjour Mathieu. Alors, quelle est la principale différence entre un vin bio et un vin vegan? Ça, j'étais éclaté de rire. Eh bien, c'était la colle, pardon, de l'étiquette. Donc, c'est assez rigolo. Après, donc, vous aviez Ludovic. Alors, il paraît qu'il est youtubeur. Donc, voilà. Qui était venu avec bah, sa famille, mais bon, bah, comment dire, bah, la production n'a pas mis le nom en dessous. Moi, j'aime pas quand ils font ça, mais bon, c'est pas grave. Car est le premier dessin animé à situer les yeux des voitures dans le pare-brise plutôt que dans les phares. Eh bien, c'était vrai. Ensuite, pour le maître de midi, dans quelle partie de la botte italienne se situe la région des Pouilles et non pas la région... Bon, passons. Donc, bien sûr, c'était dans le tata, le lolon, le talon. D'où vient l'expression de nez du fil à retordre, pardon, donc ça venait du tissage. Donc sur cette question, Anaïs est passée au rouge. Oh là là, c'est bien ce qu'il a fait là. Donc qui dit rouge dit duel. Elle a pris le youtubeur Ludovic en duel qui a eu une question bah, un peu tordue, hein, comme d'habitude, de temps en temps. Quel pays est le plus grand producteur de café? Bah, comme tout le monde, on aurait pu penser à la Colombie. Eh bien, c'était le Vietnam. Donc voilà, donc bye bye Ludovic. Donc ensuite, eh bien, Anaïs, Léo et Lucas se sont retrouvés au coup par coup. D'abord, c'est Lucas qui est passé à l'orange. Après, ça a été Anaïs de passer à l'orange. Après, le maître du midi aussi est passé à l'orange. Et c'est re-Anaïs qui est passé à l'orange. Donc, au rouge, qui dit rouge dit duel. Elle a eu les oseaux, les vévères, les ovaires. Je me marre parce qu'il y a plein de gens qui n'aiment pas quand je dis les ovaires ou les coronesses, donc c'est pour ça que j'en profite. C'est pour vous foutre les boules. Alors, donc elle a pris donc Léo en duel. Alors, suspense, va-t-il avoir une question facile ou une question tordue comme a eu, comment dire, Ludovic? Alors, à vous de juger. Donc, qui entre dans Paris et libère la ville le 24 août 1944? Bon, Pétain, c'était pas le style. Laval était collabo. Jean Moulin était décédé. Donc, bien sûr, c'était une question assez facile puisque c'était le général Leclerc qui a sa statue justement à l'endroit où il est rentré à Paris. Donc, je crois que c'est Porte d'Orléans. Donc, eh bien, ensuite, eh bien, bah, Léo et Lucas se sont retrouvés donc au coup fatal. Et puis, ben voilà, donc Luca, eh ben, c'était Luca, il a beaucoup passé. Voilà, passe, passe, il passe, il passe. Et puis, ben, à la fin, ben, il a perdu. Donc, bye bye à Luca qui était fan de Jean-Pierre Foucault. Donc, bah, donc, le maître de midi était content. Donc, c'est vrai, moi je reconnais que Léo. De toute façon, j'ai l'impression qu'on reconnaît un bon maître de midi
à sa prestation dans les coups fataux, comme je les appelle. Et c'est vrai que Eric et pas mal de maîtres de midi ont été vraiment très forts dans les coups fataux. Bon, c'est vrai que donc dans les duels, bon, c'est toujours des questions de facile pour les maîtres de midi, mais bon, c'est vrai que dans les coups fataux, comme je les appelle, eh bien, Eric et puis et Léo ont toujours été assez forts. Ensuite, par rapport aux coups de maître, alors. Première question, que faisons-nous sauter lorsqu'on ouvre une bouteille de champagne? Donc, bien sûr, c'était le bouchon. Donc, ce que j'aime toujours avec Léo, c'est qu'il rit quand les réponses sont rigolotes. Après quoi commence la période appelée postpartum? Donc, il ne savait pas, moi non plus. Eh bien, c'était un accouchement. Donc, retour de la chachate. Ensuite, quel objet très utile au serveur s'appelle aussi limonadier? Donc, bien sûr, c'était le tire-bouchon. Donc, ça, c'était assez simple. D'après la chanson d'Enrico Macias, où les gens du Nord ont-ils le soleil? Bah, ça, là non plus, il ne savait pas. Donc, au pif, il a dit l'autre. Et puis, voilà. Donc, c'était encore le retour de la chacha à Taléo. Donc, voilà. Donc, c'était bien dans le cœur. Et puis, à la fin, donc, la fin, c'était une question assez facile. Sur quelle phrase Emmanuel Macron s'est-il cassé la voix lors d'un meeting de campagne en 2016? Donc, bien sûr, c'est notre projet! Donc, bien sûr, voilà, donc il était content, il a gagné 30 000 euros. Donc, ça lui fait 15 000 boules dans la poche. Donc, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, comme je vous ai dit hier, il y a un nouvel élément. Et franchement, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je regarde sur les côtés, un petit peu en dessous, je sais pas, c'est un petit truc, une boîte. Non, franchement, je ne sais pas du tout ce que ça peut être. Donc, bah, on verra plus tard. Hein. Donc, voilà, donc c'est toujours donc Eva Longoria. Alors là, j'ai la pression. Alors, je vais vous dire pourquoi j'ai la pression. Parce qu'on parle de moi dans Figaro Life. Donc, voilà, comme vous pouvez voir, Léo en passe de trouver une troisième étoile mystérieuse. Et puis donc dans le Figaro, on dit que voilà, je dis que c'est Eva Longoria. Donc si c'est pas Eva Longoria, eh bien je vais la voir dans le baba. Et donc bon bah d'après ce qu'on dit, il paraît que bon il va la trouver ce week-end. Donc bon bah voyons s'il va trouver l'étoile mystérieuse ce week-end. Donc par rapport à la bataille des audiences, eh bien j'ai adoré ce tweet. Hein. Donc Angélique a été éliminée, donc Koh-Lanta est arrivée en premier, suivi de Faux-Semblants sur la 2. Ce soir, qu'est-ce que vous avez à la télé? Vous avez Mazinger, N'oubliez pas les paroles et Mangeville. Franchement, je sais pas, j'ai l'impression que Mazinger va arriver premier, mais bon, c'est la finale de N'oubliez pas les paroles. Et puis Mangeville, ça cartonne aussi, donc bon, bah, on verra demain. Donc je vous laisse les programmes des autres chaînes. J'adore parce qu'il y a toujours Columbo sur TMC. Donc voilà, je vous laisse même, vous pouvez même voir les programmes de la chaîne parlementaire. Donc vu à la télé ce soir, si vous regardez 50 minutes Inside, donc vous allez pouvoir voir un petit reportage sur Jean-Luc Reichmann en tournage pour Léo Mattei. Donc voilà, donc je regarde très peu cette émission parce que bon, il y a un truc qui me fait rire dans 50 minutes Inside, c'est qu'à chaque fois il y a un reportage sur les voyages et puis à chaque fois, c'est oui, l'île des stars, les hôtels de stars, etc., etc. Bon, bah, je crois que moi, je vais essayer de vous trouver des boulangeries de stars, des toilettes de stars, parce que je vais vous dire un truc sur Paris. Je veux dire, il y a des stars, ils sont allés dans plein de boulangeries, et idem pour les vacances. Donc, à chaque fois, Nikos me fait rire quand il parle des trucs de stars. Donc, si vous voulez voir, samedi à 18 h 50 minutes Inside. Vous verrez, et puis surtout, il y aura la femme de Jean-Luc Reichmann, Nathalie Lecoultre, qu'on peut voir ici masquée. Et puis, bah, juste en son hommage, le t-shirt du jour, voilà, et eh bien, c'est derrière chaque grand homme. Alors, j'aime bien, parce qu'on dit chaque grand homme, et pourtant, c'est un dé, eh bien, se cache une femme. Et donc ce t-shirt-là, je peux vous le faire, donc personnalisé, avec alors ou bien votre femme, ou bien votre maman, ou bien votre petite copine, avec écrit se cache une femme, comme ça, voilà, comme ça vous pouvez porter le t-shirt avec la photo de votre maman ou de votre femme au dos. Donc voilà, puis le t-shirt de J'ai de la chatte, le t-shirt préféré de Léo, tout ça sur le site tropmignon.com. Et sinon, bah, je vous souhaite une agréable journée. Couvrez-vous bien parce qu'il commence à se la cailler. Et puis, bah, je vous dis à demain. Portez-vous bien. Bye bye.